reborn. Heroes reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Reborn. Que la paix Seigneur soit avec vous. Ce que j'ai vu et que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, vraiment, c'est étonnant. Des robots par-ci, des robots par-là. Est-ce que cela représente réellement un vrai danger pour nous? Moi, je ne sais pas. Mais venez voir parce que c'est quand même étonnant. Suivez-moi. J'espère que vous allez bien. Parce que ça, waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez bien. Vraiment très bien. Et si les robots remplaçaient l'homme? Ou même nos chiens? Hein? Vous voyez ça là-bas? Vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est? À quoi joue l'être humain encore? Quelles sont ses intentions? Vous voyez ça? Ça, c'est étrange. Et ici, regardez. Est-ce réellement un robot? Hein? Regardez son expression faciale. Regardez comment il bouge sa tête, comment il bouge ses yeux, comment il bouge son visage. Tout exactement comme un vrai gars, un vrai humain. Quelle est la différence entre ce robot et Nyans Reborn? Regardez très très bien. Quelle est la différence? Je ne vois pas de différence, hein? Regardez. Vous voyez ça? Il est vivant. Mais j'ai l'impression que lui, il est plus vivant que moi. C'est étrange quand même, hein? Waouh. Commençons par le commencement. Regardez ça. Ça a été filmé. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Regardez comment il y a ton soin sur le robot là, à gauche et à droite. Vous voyez ça? Et regardez comment ces robots là sont en train de bouger comme des chiens. On dirait des chiens quoi. Les roux. C'est étrange. C'est vraiment trop étrange. C'est vraiment trop étrange. Hein? Seigneur Zizi. Hein? Genre, le robot là joue le rôle de quoi? Le chien ou bien c'est quoi? Waouh! Parfois, quand l'homme a trop de moyens, il fait autre chose maintenant. Et maintenant, regardons ça. Vous voyez le robot? Voici le robot dont je vous ai parlé. Son expression faciale. Regardez son visage. Apparemment, on pourrait parler avec lui. Hein? Regardez comme il est. Vous voyez ça? Ça, c'est incroyable quand même. Hein? Regardez son visage. Regardez son expression faciale. Comment il bouge, le visage, les yeux. Vous voyez ça? Voici ce que l'homme est en train de faire. Voici ce que l'homme est en train de créer. Et les gens exposés ça, ils sont venus juste nous montrer ça. Ouais, pour dire voici ce que nous sommes en train de créer. Des choses qui vont vous remplacer bientôt. Waouh, c'est carrément hors du commun. Vous voyez ça? Regardez son visage. Où est le visage? Waouh! Ça ressemble vraiment pratiquement à un humain. Hein? Ben, on peut voir quand même, à cause de la couleur de sa peau, on peut dire que non, c'est pas un humain, mais comme ça, sur la tête, il y a tout. Ça peut nous tromper aussi. C'est assez incroyable. Hein? Regardez le visage. Regardez les lèvres. Regardez. Ah, il n'a pas de sourcils ni de cils. Ah, ça peut vous tromper un peu, hein? Ça, ce que peut vous dire, mais ah bon, peut-être c'est une autre créature. Ou bien bon, on va dire, bon, peut-être c'est autre chose. Mais, il faut bien regarder quand même.
Si vous n'avez pas bien vu, vous ne saurez pas toutes ces choses. Bon, mais quand j'ai regardé la première fois, je n'avais pas remarqué ça. Mais quand j'ai regardé ça avec vous, je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Il n'a pas de cils, ni de sourcils. Mais ça, ce n'est rien. Waouh. Quand je vois ça encore, je me dis, mais what? Les gens veulent nous remplacer par des machines ou quoi? Le robot. Imaginez un monde où... Imaginez un monde avec le robot. On va dire, regardez. Voici à quoi va ressembler le monde avec le robot. Regardez bien. Regardez ce qui pourrait, comment ça pourrait ressembler. Le monde pourrait ressembler à un monde comme ça avec le robot. Au lieu d'avoir un chien, tu auras un robot. Tout à l'heure, je sortais, j'ai vu deux chihuahuas, les chiens, ouais, les 10 chiens. Les caniches. Qui les a vus, ils sont venus vraiment, ils étaient contents de me voir. Et j'ai regardé, ils sont venus, ils disent bonjour papa. Non, attends, c'est moi qui vois papa aujourd'hui. Bien, vous avez vu mon papa. Et je les voyais comme ça. Ils étaient vivants. C'était humain. Quand tu les touches, tu sais que tu as affaire à de la chair. Mais ça, c'est du fer. Ou est-ce qu'ils ont créé ces robots-là pour effectuer des tâches que l'homme ne pourrait pas faire facilement? Peut-être qu'au lieu d'envoyer un chien dans un trou, il peut faire envoyer des machines, c'est mieux. Bon. Mais la partie où on nous dit que souvent, on invoque les démons à partir de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il y a un homme qui en a parlé et on a fait une vidéo là-dessus, c'est sur ce forum. Bon, dites-moi. Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est fait? Ça peut nous arranger? Est-ce que ça va nous arranger? Déjà, dans les usines, on utilise les robots. Oui, on utilise beaucoup les robots déjà. Mais les gens pour dire qu'à la maison, quand tu vas ouvrir ton portail, c'est un robot qui sera comme ton chien. Si tu regardes, tu ouvres ton portail, tu vois. À la base d'un chien, c'est un robot qui est là, qui vient t'accueillir, puis qui aboie. Ou bien, à la cuisine, il y a une servante qui est là-bas. Mais en fait, il y a un robot qui est là-bas, qui est dans la cuisine. Le robot là, c'est le robot là qui prépare la bonne nourriture pour toi. C'est le robot là qui lave tes assiettes. C'est le robot là qui fait pratiquement tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de présence humaine là-bas. Qui? Ça ressemble à quelque chose de vraiment très beau. Hein? Ça ressemble aussi à ce qu'on voit très souvent. Les gens qui sont tout le temps connectés sur les téléphones, les ordinateurs, qui ne veulent même pas regarder à gauche ni à droite, même dire bonjour à leur père ou leur mère. Tout le temps, l'enfant est sur son jeu vidéo. Il n'arrive même pas à savoir quand son père rentre ou quand son père sort. Au point où même son père il rentre à la maison, c'est comme si de rien n'était. Limite, c'est comme s'il n'avait pas d'enfant. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. L'être humain perdu dans les choses virtuelles. C'est quand même étrange. Ça peut changer carrément quelque chose chez nous aussi. Hein? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Si vous pensez que c'est bien, dites-moi pourquoi. Si vous pensez que c'est aussi bizarre, expliquez-moi en commentaire. J'aimerais voir ce que vous en pensez. C'est parti. Waouh. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, vous trouvez un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Bonne 3. Application sur Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez le voir Nuance Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.